Bonjour. C'était pour voir si vous avez des pilules de iode toujours. Pardon? Ok. Les recommandations. Ok. Très honnêtement, c'est plus du je me sentirais un peu mal à l'aise de ne pas l'avoir si quelque chose se passe et que voilà, je me sens bloquée, que je n'ai pas quelque chose auquel je pourrais avoir recours. Mais bon, très franchement, j'espère qu'on n'en arriverait pas là. C'est ça. Ok, ça va. Et également, normalement, également sur vous. Je suis chercheur des iodines en cas où il y aura une attaque nucléaire pour avoir à la maison parce qu'on ne sait pas comment cette crise va se développer. Voilà, pour moi, c'est toujours été prévu pour un incident nucléaire, c'est-à-dire qu'il y a une explosion, un nuage qui on voit arriver, on le prend. En cas de bombes nucléaires, puisque c'est de ça dont il s'agit, je pense, aujourd'hui. Je pense qu'on aura d'autres soucis que d'avaler sa petite pastille d'iode.